Sur ma chaîne, leur like Golden Eye. on est parti pour votre tirage du mois d'octobre. Et oui, c'est parti, mon kiki. Allez, je vous place ici les taureaux. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Alors avec le Golden Cloud, qu'il faut que j'aille rechercher parce que j'ai la moitié des cartes qui sont parties oh, tout à l'heure. Voilà. Alors, hop. Bon, J'espère que vous allez bien. Bon, j'en profite déjà pour vous remercier les taureaux. Pour toutes les personnes qui ont visionné mes contenus, merci à toutes les personnes qui ont liké, commenté et partagé. Et je remercie bien sûr tous mes abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Allez cliquer. C'est un petit clic, ça va vite. Et comme ça, vous avez, euh, vous avez les vidéos qui sortent. Enfin, bon, après, faut être, vous pouvez être au courant euh, en mettant la cloche. Mais bon. Allez c'est parti J'en profite pour vous dire que tous les jeux que j'utilise, vous avez les noms dans la description. Pour certains d'entre eux, vous avez les liens euh, directement Amazon pour pouvoir vous les procurer. Et pour des, jeux, des créateurs comme l'Oracle qui a son propre site internet, je vous mets son site internet en lien, bien sûr. Alors, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe Alors, les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revenir. Mais quelqu'un qui n'a pas changé, quelqu'un qui a laissé une blessure en vous, euh, mais vous n'arrivez pas à mettre cette personne à distance. Quelqu'un que vous croisez, euh, qui, qui vous recherche, qui vous trouve. Euh, mais vous sentez que c'est pas bon en fait. Vous sentez que c'est quelqu'un qui va encore essayer de vous la faire à l'envers. Un peu un schéma répétitif qui se reproduit systématiquement avec cette personne. Bon, ça c'était le Golden Cloud. On va aller voir avec le Golden Tattoo. Bon, en tout cas, n'oubliez pas les taureaux si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous me faites un petit mail, Alors, like, goldenai.gmail.com et si vous voulez offrir une guidance pour quelqu'un, vous n'hésitez pas. C'est même le même mail pour le chèque cadeau. Bon, vous, vous êtes en train de vous, vous transformer. Vous, vous avez vu que cette relation, il y avait quand même un problème. Vous avez pris le temps. Euh, vous avez pris le temps de d'analyser un petit peu le truc et de faire la lumière sur cette relation. Ouais, néanmoins, vous avez quand même un espoir à chaque fois. Hein. Vous avez quand même un espoir à chaque fois que ça change, que ça évolue, que ce soit positif. Mais vous avez toujours quelqu'un qui vous nuit, qui vous fait du mal, qui est pas toujours. Euh Très honnête avec vous, vous avez quelqu'un qui vous file entre les doigts en permanence. On peut avoir quelqu'un qui vous observe énormément. On peut avoir quelqu'un qui peut-être vous fait des cadeaux, vous fait miroiter que cette fois ce sera nouveau, que ça, sent, ça va, ça va être différent et tout ça. Et vous avez envie de tomber dans le panneau, mais ouais, ouais, vous avez envie de quelque chose de plus léger, de plus doux, de plus lumineux. Mais le problème c'est que bah, bah c'est pas le cas quoi. J'ai l'impression que cette personne, elle peut être un peu agressive dans sa façon d'être et de se comporter avec vous. Ouais. Euh, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous demander une nouvelle chance et vous allez lui mettre un stop. Les yeux peuvent avoir une, quelque chose de très, euh, très important. Peut-être que vous parlez beaucoup avec le regard. Peut-être qu'il y, y a un côté un peu hypnotisant dans le regard de cette personne. Mais euh, ce que ça peut me dire aussi, c'est qu'on vous dit de garder l'œil ouvert, hein. euh, comme dirait Victoria Charlton. Euh, Gardez l'œil ouvert parce qu'en euh, qu en fait, euh, en fait j'ai cette notion de rester sur vos gardes, euh, ouvrez bien les yeux, soyez alerte, observez bien ce que cette personne fait analyser euh, sa façon d'être, euh, en, en fait comme si tout était sous vos yeux mais que vous, vous refusiez de les ouvrir. C'est assez euh, c'est fou en fait. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a un truc qui va pas mais vous ne voulez pas le... le c'est très bizarre, c'est comme si vous le voyez mais vous ne voulez pas le regarder en face. Il ouais, y, y a une notion entre voir et regarder. Euh, on peut voir des choses sans, euh, sans y prêter attention. En revanche, quand on regarde quelque chose, on porte son attention dessus. C'est la notion, la différence entre voir et regarder. Ce qui, euh, même si ça parle et ça se rapporte aux yeux et à la vue, on est deux choses différentes. Si je fixe quelque chose, je regarde quelque chose, je vois ce qu'il y a autour sans les regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, on vous dit, vous voyez le, 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 le beans, là, vous voyez le délire, mais vous, voyez, vous voulez pas regarder la vérité en face. Ouais, et on a quelqu'un de, de toxique hein, pour vous. On a quelqu'un de toxique et je peux avoir quelqu'un d'assez euh, violent dans ses mots, d'assez tranchant, d'assez dur. Et c'est pour ça qu'on vous conseille de rompre en fait. On vous dit que cette personne qui est quand même assez, euh, assez violente, assez mauvaise euh, dans ses mots, hein, encore une fois, je n'ai pas forcément quelqu'un de violent physiquement, mais en, en tout cas quelqu'un de violent dans ses mots, dans sa façon d'agir avec vous. Et on vous dit que pour guérir, la seule chose, c'est de couper. Hein, c'est C'est de. Ouais, c'est de. C'est de d'arrêter cette relation, en fait. Même si vous y êtes très attaché. Mais on vous dit que vous êtes en train de vous perdre avec cette personne. Et on vous appelle à la transformation. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous êtes bloqué avec cette personne. Oh là là, ouais. Vous êtes très très attaché à cette personne, mais euh, encore une fois, j'ai l'impression que, que c'est quelqu'un qui vous a un peu euh, envoûté quelque part. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Ouais, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être avec quelqu'un comme ça, là, qui, euh, finalement... Euh vous fait plus de mal que de bien. Euh, C'est pour ça qu'on a cette notion de voir et de regarder. Et euh, on peut avoir un signe d'eau en face de vous, cancer, scorpion, poisson. C'est pour ça qu'on vous dit, tu as vu la problématique, mais tu ne veux pas la regarder en face. Bon, avec le Sweet Golden Eyes, on va aller voir ce que ça nous dit. Je voulais absolument noter mes titres au fur et à mesure et je ne l'ai pas fait. Donc, il va ben, je regarde toutes mes vidéos comme à chaque fois. Je suis un boulet. Ah, je me fatigue de faire des trucs comme ça. Ouais. Bon, pour le moment, de toute façon, ce qui apparaît là, les taureaux, c'est de vous focaliser sur le travail. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. On vous dit là, c'est le, le travail. Euh... Va te coucher. Je ne sais pas où tu vas là. Va te coucher. On peut vous dire que vous avez peut-être des problématiques familiales ou amicales. Il y a peut-être besoin de. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de revenir quelque part pour votre famille. On vous reparle de quelqu'un d'un signe d'eau dans la communication. On vous parle d'un signe du poisson. On vous parle encore une fois d'un signe d'eau. Ça renforce l'aspect signe d'eau. Donc, cancer, scorpion, poisson. Encore une fois, on vous dit que vis-à-vis -vis de cette personne, il y a une nécessité réelle et importante et indispensable de changer de chemin, de choisir une autre direction vis-à-vis -vis de cette personne, parce que c'est quelqu'un qui, en plus, vous, peut vous faire perdre confiance en vous. J'essaie de, de voir, voir si on voit toutes les cartes, là, si je mets comme ça. Ouais, on vous dit que la, la meilleure chose là, à faire, c'est de s'éloigner. Hein, parce qu'en fait, vous répétez les mêmes schémas avec cette personne. Cette personne, elle, ouais, voilà, clôture fin. On vous dit, là, il faut arrêter. Hein. Bon. On vous dit de garder la foi. Il y a quelqu'un de super qui va arriver sur votre chemin. Mais euh, on vous reparle d'un signe possiblement du scorpion. Ou... On a ce signe d'eau très très fort. Hein. Cancer, scorpion, poisson qui ressort très 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 fort. Donc, euh, on vous dit, clôturez le chapitre clôturer le chapitre avec cette personne parce que vous n'aurez rien de bon. Allez, avec le tarot de l'oracle. Euh, donc là, il est composé des deux euh, paquets, c'est-à-dire arcane mineur, arcane majeur. Évidemment, je vous mettrai les liens dans la description. Je suis en train de créer aussi une formation tarot euh, les taureaux. Donc si ça vous intéresse. Euh, N'hésitez pas à me mettre un petit mot euh, dans, dans les commentaires. Bah alors, je ne veux rien dire. Oui, alors je bats bizarrement les cartes parce que je vous ai dit euh, je me suis blessée, euh, j'ai une ampoule sur le pouce et j'ai mal aux phalanges là. Parce que j'ai fait beaucoup de guidance en peu de temps. Résultat, je me suis massacrée. Et donc là, pour le moment, je, je bats un peu bizarrement. L'étoile. Ouais, vous avez toujours l'espoir. Hein. Vous avez toujours l'espoir hein, avec cette personne. Alors qu'on vous dit, là, il faut se concentrer sur votre avenir professionnel, sur ce que vous allez mettre en place pour avancer pour vous et être égoïste. Pensez à vous. C'est quelqu'un qui peut hanter vos pensées. Hein. Vas-y, vous avez du mal à lâcher. Hein. Vous voyez, on vous dit priorité à votre, perso à votre professionnel. Hein. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. On peut vous dire que vous avez besoin <coughs> de déménager. De voyager, de travailler en dehors de ce que vous connaissez déjà. Ça, c'est pas la première fois que je vous le dis, les taureaux. Il y a peut-être, et à mon avis, très probablement, une nécessité pour vous de quitter l'endroit où vous êtes pour aller travailler probablement à l'étranger. Ça ressort, ça revient. Donc, toi, là, oui, je sais que tu me regardes. <laughs> ça fait 40 fois que je te le dis, hein. Tu vois, ça sort dans ton privé, ça sort dans ton, dans le général aussi. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très clairvoyant, on vous dit que vous avez un très bon instinct, vous sentez les choses, mais vous ne faites pas confiance. On vous dit que cette personne elle vous a chamboulé. Mais néanmoins, euh, on vous dit que vous allez perdre plus de plumes qu'autre chose, hein. encore une fois. Hein. L'espoir que vous avez vis à vis de cette personne, il n'est pas bon parce que ce n'est pas quelqu'un pour vous. Euh, à mon avis, ça, vous êtes sur une petite relation karmique de derrière les fagots qu'il faut épurer. Et comme vous ne voulez pas y aller, vous voyez, il y a un changement. Il y a un cap à passer. Il y a un cycle qui est fini avec cette personne. Il faut passer à autre chose. Il ouais. faut passer à autre chose. Clairement. Allez, avec celui-là, c'est l'out of hand euh, de je ne sais plus qui. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Donc je ne sais pas si on va avoir les infos. mais je le, je le destine plutôt au professionnel, celui-ci, mais il me parle beaucoup d'amour euh, des fois. Voilà, vous êtes concentré. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait ou vous êtes peut-être en train ou vous allez probablement faire une formation ou des études qui vont nécessiter que vous soyez concentré. On peut vous dire que pour certains d'entre vous, on est sur des euh, études possiblement... Euh, Manuel. Alors on peut avoir de l'artistique, on peut avoir du manuel qui pourrait devenir de l'artistique, par exemple, je ne sais pas, moi vous êtes euh, euh, peintre en bâtiment, par exemple, et euh, vous vous spécialisez dans euh, la peinture, imitation, marbre. Ou vous êtes, euh, je sais pas moi, euh, j'ai un de mes amis qui est taureau qui, euh, qui a fait une formation de soudeur. Euh, et vous vous mettez à créer des meubles euh, euh, grâce à, vos, à votre savoir-faire de soudeur. Euh, on peut avoir quelqu'un qui euh, fait de la menuiserie et qui finalement euh, décide de, 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 de faire une formation ébéniste. Tu vas me gonfler Shaina, va te coucher parce que là les 400 pattes ça va me gonfler. Va te coucher, dépêche-toi. Non, ça suffit là. Parce que t'as, t'es sorti, machin, donc t'arrêtes de me casser les pieds, tu vas te coucher. Allez, dépêche-toi. les allers-retours, ça va me gonfler. Donc voilà. Euh, on peut avoir des gens qui font de la couture, on peut avoir des gens qui sont dans l'illustration, le graphisme, vous voyez, on peut. On peut avoir ça. Pour certains d'entre vous, on peut vous dire que d'allier à vos études euh, ou à votre travail, d'allier quelque chose de plus manuel, euh, un hobby plus manuel peut euh, vous aider à vous détendre, à vous réancrer. Donc par exemple, je ne sais pas, moi, encore une fois, euh, vous êtes euh, laborantin, et ben euh, peut-être que euh, de faire de la peinture ou du coloriage ou euh, même de la pâte à modeler avec vos enfants, ça va peut-être vous permettre de vous détendre et euh, de vous amuser et de vous ancrer. Donc voilà, euh, on peut vous dire qu'il y a une annonce qui va être faite, euh, vous allez peut-être avoir des informations qui arrivent, des vérités qui, qui, qui débarquent, une bonne nouvelle. C'est rigolo parce que ouais, j'ai encore ça le côté jouer. Alors, euh, attention aux addictions aux jeux euh, de ce qu'on me dit. C'est rigolo, j'ai un Staffy, là il est trop choupi, ça peut peut-être vous parler, vous avez peut-être un Staffy bleu ou, euh, ou gris. Euh, et, euh, et donc on peut vous dire, mais de prendre, comme je vous disais, à faire de la pâte à modeler avec vos enfants, quoi, mais voyez, on a cet, cet aspect peut-être justement de jouer avec vos enfants ou avec vos amis, euh, de retrouver un côté un peu fun, un peu léger dans votre existence, parce que pour certains d'entre vous, je vous sens trop terre-à-terre. Euh, mais trop... Alors, je vais dire trop ancré, mais c'est pas tellement le terme. Mais c'est trop, ouais, trop cartésien, trop... Pff, vous voyez Trop lourd, quoi. Et en, résultat, ça vous bloque. Encore une fois, pour certains d'entre vous... Oh, bah, J'ai une carte qui est retournée, je ne l'avais pas vue. Vous oh, bah, voyez le fun, hein Le fun. Euh, pour certains d'entre vous, on a on a toujours cette personne qui vous bloque, là. Hein. Et en plus, on est sur quelqu'un qui est plutôt calculateur, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait qu'en venant vers vous, elle, cette personne, elle va euh, vous plonger dans un truc pas cool. Euh, elle, cette personne sait qu'en revenant vers vous, elle vous fait du mal. Elle le sait. Elle sait que vous n'êtes pas totalement guéri. Elle sait que vous n'avez pas tourné la page. Et c'est quelqu'un qui en a conscience qu'il sait. Hein, et qu'il le fait sciemment, hein, justement. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, la route, elle est fermée. C'est terminé. On, on, on vous dit, il ne faut plus y aller. Il ne faut plus y aller. Changer de direction. Faites un nouveau choix, allez ailleurs, mais pas vers cette personne. Et faites-le vite. il bon, n'y a plus rien à dire. Ok. Et bon, on va passer au Dixie Disney. Allez, c'est parti. Là. Voilà. Je vais essayer de le de brasser comme ça, parce que... Enfin, si ça me fait mal au pouce... Ça. encore une fois, hein, on a cette notion de voyage, de déplacement, de changement de direction, de nouvelle vie, de nouveaux choix. C'est très, très 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 fort hein, qui ressort. Sortez de votre bulle. Toujours ce, ce signe d'eau là hein, qui, euh, qui vous bloque. Hein. Cancer, scorpion, poisson. Hein. On peut vous dire de faire attention à votre alimentation aussi pour certains d'entre vous. Hein. Je peux vous dire attention. Ouais. On a quelqu'un en face de vous qui ment. Hein. Mm -mm. Encore une fois, on a quelqu'un en face de vous qui sait qu'en revenant vers vous va vous nuire, va vous faire du mal. On, on a quelqu'un en face de vous qui ne vous veut pas du bien. Je le redis, je le répète. On a cette notion d'une personne qui vous ment. On a cette personne qui sait qu'en revenant elle vous fera du mal. On a cette personne qui a compris quelles étaient vos blessures et qui appuie dessus systématiquement. Ce qui fait qu'elle vous fait travailler votre masque en permanence et donc bah forcément vous ne pouvez pas avancer vous de votre côté. Et elles ressortent encore ces deux-là, c'est ouf! Hein Vraiment une énergie particulière. Bon, on peut avoir un lien familial là qui vous tourmente un petit peu. Euh... C'est assez bizarre parce qu'en fait, cette image, euh... on peut me dire qu'il y a un parent, une figure parentale qui peut être rappelée là-haut et qui va être amené à veiller sur vous. Là, vous tournez... Alors, c'est assez rigolo, parce que cette carte est sortie dans je ne sais pas combien de tirages, celle-ci aussi, et ce que je, je dis là à chaque fois, et, et c'est la vibration que j'en ai en ce moment, euh, j'ai l'impression que ça, c'est l'objet désiré. Donc, pour certains, c'était la spiritualité, pour d'autres, c'est l'abondance professionnelle, pour, voilà. euh, pour moi, là, c'est l'autre. La personne en face de vous. Et, euh, et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on regarde les, les, les petites souris, là, Bernard et Bianca, normalement, je suppose qu'elles sont en direction d'une nounours pour aller les sauver, enfin, le sauver. Et moi, ce qui est très bizarre, c'est que là, tout le mois d'octobre, là, en tout cas, toutes les guidances que j'ai fait jusque-là, et j'en ai fait un paquet, parce que je crois qu'il m'en reste quatre à faire après vous, euh, j'ai l'impression que les souris, en fait, elles se barrent dans l'autre sens. J'ai l'impression que Bernard, là, il dit non, non, mais on s'en va, et qu'il emmène Bianca un peu de force en disant non, non, mais on s'en va. Oui, c'est l'objet de ton désir. C'est vers ça que tu dois aller, mais euh, on s'en va parce qu'on sait que c'est pas bon en fait. Comme si on avait emprisonné finalement ce nounours parce qu'on sait que c'est pas, c'est un peu un ourson maléfique quoi. Donc pour moi, c'est vous qui tournez le doigt à cette personne parce que vous vous rendez compte que cette personne, elle, n'est pas bonne pour vous. Encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est une méchante personne toxique, pas belle, c'est pas ça. Mais à mon sens, pour vous, en tout cas, elle n'est pas, pas bonne pour vous, ça c'est sûr. Et on vous dit que ça vous cause beaucoup de chagrin, que ça peut réouvrir cette blessure d'abandon ou de rejet chez vous, que vous pourriez, euh, comment dire, pas compléter, mais euh, compenser par de, de la nourriture et en particulier par le sucre. Donc attention à ça, euh, parce qu'on vous dit que vous risquez de, de le regretter derrière hein, et on vous dit, c'est pour ça qu'il va falloir se concentrer sur votre travail et que votre priorité, c'est le travail. Pour certains d'entre vous, là aussi tu te reconnaîtras, on vous parle de travail pour gagner de l'argent, pour avoir une maison, pour avoir un appartement, pour avoir votre chez vous. C'est assez, assez parlant. Allez, avec le Golden Worlds, qu'est-ce qu'on a à vous dire Ouais. On vous dit que la priorité, ça va être euh, pour vous de sortir. Alors, pour vous, la priorité, ça va être sortir du sacrifice. Ça va être d'avoir votre chez vous. Ça va être de communiquer mieux, de reprendre votre indépendance matérielle. Voilà. On a cette problématique euh, de domicile pour vous qui est très présente. Shaina, tu me fatigues. Couche-toi là. Ça suffit. Couche-toi. Non mais Shaina, tu vas pas me pourrir la guidance, là, t'es mignonne, mais ça suffit. Donc la priorité pour vous, sortir du sacrifice et votre indépendance matérielle et votre indépendance quant à, une, à un domicile à vous, et possiblement de euh, vous exprimer, de communiquer peut-être mieux les choses. Euh, les taureaux, pour certains d'entre vous, vous pouvez être des gens relativement tacites, vous avez une capacité d'écoute importante, en revanche, vous avez souvent plus de difficultés à exprimer vos douleurs, vos peurs, vos envies, vos besoins, et euh, ça peut... Ça peut, vis-à-vis -vis de certaines personnes, un peu les perturber parce que pas l'habitude. Euh, on a aussi des gens qui pourraient essayer d'extorquer des informations sur vous et je pense que c'est aussi pour ça que vous vous protégez. Euh, vous avez probablement peut-être aussi plus jeune subi les frasques les comme ça, d'avoir peut-être dit des choses et vous avez regretté derrière parce qu'on s'en est servi contre vous. Néanmoins, on vous dit que vous avez pris en maturité et que désormais vous êtes capable de savoir ce que vous pouvez dire et pas dire, ce qui va être utile à dire ou non et tout ça. En revanche, il y a des choses, si vous ne les dites pas, bah, vous ne pouvez pas non plus penser que la personne en face va les deviner. Donc, pour certains d'entre vous, il va être important d'exprimer les choses euh, de façon à, euh, à pouvoir euh, aider aussi la, la personne en face de vous à savoir quoi dire, quoi faire, comment agir, euh, toujours pas dans un but de manipulation, mais bien euh, de bien-être, en réalité, et de compréhension à votre égard. Ça va être important. Allez, on va terminer avec l'oracle des femmes africaines, euh, des déesses africaines. Pourquoi je sais pas de dire des femmes africaines Je l'ai dit déjà hier, ça. C'est ces des déesses africaines. Ouais. Ayez l'audace. Ouais. Ayez l'audace de guérir, ayez l'audace de dire... Euh, mais encore une fois, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez tacite parce que vous avez dû avoir des souffrances plus jeunes euh, qui ont fait que vous avez pris après le parti de ne plus dire les choses. Ouais. Vous avez honte de vous exprimer. Vous avez honte... Alors pour certains d'entre vous, on peut dire que vous avez une honte vis-à-vis -vis de votre corps. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est... Qui a été perturbant quand vous étiez enfant, vous avez peut-être eu des problèmes de, 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 de physique, aussi bien trop ou pas assez, ou avec des lunettes, ou avec des bagues, ou avec je ne sais quoi, et on s'est foutu de vous. Et ça a créé une honte chez vous, et donc cette envie finalement de ne pas dire, de ne pas. Genre, euh, non, non, mais faites pas attention à moi, je suis pas là. Euh, pour certains d'entre vous, je pourrais avoir des gens qui vous qui essaient de vous foutre la honte parce que vous allaitez en public. Bon, bah, ceux-là, vous leur faites un gros doigt, hein, clairement. Euh, S'ils ont un problème avec l'allaitement, c'est que c'est eux le souci. Hein. Depuis que le monde est monde, les femmes allaitent leur enfant. Donc euh, voilà. Euh, ça peut vous créer des problématiques aussi sur le plan charnel pour certains d'entre vous, cette, euh, cet aspect de, 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 de votre corps. Vous avez peut-être une mauvaise vision de votre corps et résultat, vous n'arrivez pas à vous lâcher sur le plan charnel. Peut-être parce que vous avez une vision du corps qui devrait être comme ci, comme ça, et puis vous n'êtes pas comme ci, comme ça, et, euh, et ça vous perturbe au plus haut point, alors que, en fait, vous êtes juste comme tout le monde, quoi. Il euh, n'y a pas de corps parfait. Euh. Le corps parfait, c'est le, le corps dans lequel on se sent bien, en fait. Hein. Et pour ça, il n'y a que vous qui pouvez décider. Hein, donc, euh. bon. Et bien voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à mettre le petit mot abondance dans, votre, dans, votre, dans vos commentaires pour montrer que vous avez bien regardé, que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lorlaigoldana-gmail.com -like pour une guidance privée pour vous ou à offrir. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, les taureaux. Profitez de votre vie, kiffez et puis prenez soin de vous. Kive là! うん。<music>